Après plusieurs années de croissance, les plants d'Airel sont moins productifs. Il faut donc penser à la taille. Ceci permet une régénération des plants qui se multiplient par rhizome et forment de nouvelles pousses, éventuellement plus vigoureuses et plus productives. Par le passé, lorsque nous avons fait des tailles dans nos champs, nous avions tout simplement utilisé une tondeuse et ainsi rasé l'ensemble du billon, c'est-à-dire tous les plants dans une même rangée. Cette fois-ci, nous voulons essayer de favoriser une régénération plus rapide. Nous utilisons donc un taillet qui coupe plus franchement les plants et ce taillet est alimenté par un ondulateur dans une voiture. Cette portion du champ n'a jamais été taillée depuis les tout débuts de notre plantation. Vous voyez que les tiges sont assez hautes, environ 20 à 30 cm de haut. En taillant, on retrouve des airelles qui étaient restées sur les plants. On en profite donc pour prendre une petite pause. Pour favoriser une régénération plus rapide, nous tentons aussi une expérience. Au lieu de couper l'ensemble du billon, nous y allons en taillant que la moitié de celui-ci. Nous choisissons d'essayer aussi de faire des tailles en damier sur d'autres rangées. Nous voyons ici que les plants ont été taillés en laissant environ 3 à 4 cm de hauteur. Ailleurs, la taille a été faite au ras du sol. Ceci nous permettra de voir dans le futur ce qui est le plus avantageux dans la taille.
après la taille, nous couvrons toutes les rangées avec du copeau fraîchement déchiqueté. Sur les plans d'érelle taillés, nous privilégions un copeau plus fin, tandis que dans les allées, le copeau sera plus grossier. Plusieurs de nous se mettent de la partie pour produire une belle qualité de copeaux. En effet, nous voulons en ajouter une épaisseur sur toutes les allées de notre plantation, car le pays s'étame ainsi, année après année, se compostant naturellement. Voilà, le travail est complété dans la section taillée et sera complété sous peu dans l'ensemble des champs.